Il y a quelque temps, j'ai été contactée par la marque Stabilo. Ils me demandaient si j'aimerais recevoir quelques-unes de leurs nouveautés pour les tester. Et bien évidemment, j'ai accepté. À l'intérieur de mon colis Stabilo, il y avait deux paquets de produits. Les feutres Stabilo Pen 68 avec une pointe de 1 mm et les Stabilo Point 88 avec une pointe de 0,4 mm. Le swatch m'a pris pas mal de temps, je dois l'avouer. Ça fait quand même 130 feutres à tester. Parmi les 65 couleurs de la gamme, il y en a 6 censées être néons. Et la petite fantaisie des couleurs néons, c'est leur aspect fluorescent à la lumière noire. Ce sont des feutres à base d'eau, et donc ils sont théoriquement aquarellables. Toujours est-il que j'ai commencé par le mur en briques. Dans un premier temps, je n'ai utilisé que mes feutres, puis je suis revenue par-dessus chaque brique avec un pinceau et de l'eau pour obtenir un joli dégradé. Tout mon projet va se structurer comme ça. Colorier une zone avec mes feutres et y revenir avec un pinceau et de l'eau. Si vous voulez voir le dessin complet, ça tombe bien, je l'ai publié en vidéo samedi sur ma chaîne YouTube.